La dissidence des Cancrelats, littérature ténébreuse et humour noir, univers obscur, personnages malfaisants et excentriques. Un couple de clochards du métro parisien, agents de maintenance autoproclamés de la RATP, vont se faire attaquer durant leur sommeil par un collègue travesti en sage-femme. C'est l'incompréhension, leur agression nécessite légitime vengeance. Suite à cette trahison, démarre pour nos trois parias une course-poursuite dans les profondeurs du métro. Ça sera une fuite en avant et sans retour, au cœur d'un monde dément et hostile, le Dédale. Mon premier roman, Vermine, était un thriller campagnard. La dissidence des Cancrelats est un survival romantique.